C'est comment en famille? C'est comment? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous allez tous très bien? Et j'espère aussi que ma vidéo vous trouve en très bonne santé. C'est mon vœu le plus cher, en tout cas ici sur les réseaux sociaux, que mes abonnés pètent la faune et qu'ils aillent très 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 bien. Malox de Viber, artiste camerounais, j'espère que toi aussi tu vas très bien parce que tu dois prendre ton tabouret et écouter ce que j'ai à te dire. Moi, je ne vais pas sortir du propos haineux, mais je sais que tu vas comprendre parce que ça va rentrer dans tes os. À tous mes abonnés camerounais et au peuple camerounais, je vous prie de partager la vidéo et d'écouter attentivement cette vidéo-là. Parce que je vais essayer de recontextualiser la situation avant de m'adresser à Malos de Viber. Parce que je ne comprends pas ses dernières déclarations, je ne comprends pas ses dernières réactions. D'après lui et d'après certains camerounais, avec lui c'est le cardio. Et comme moi j'ai un bon cardio, on commence la vidéo maintenant après le générique. Dessinons maintenant la situation. 2004, la sortie de Viviane de la part de l'artiste Prince Aimé, un artiste camerounais malvoyant malheureusement, à qui j'envoie toute ma force et qui malheureusement sortira perdant de cette histoire parce qu'il y a trop de sorciers, trop de mauvaise foi dans cette histoire-là. Mais bref, là n'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui. 2019, des Bordeaux en tournée européenne, dans sa résidence avec une de ses filles, entendre le morceau de Viviane de l'artiste Prince Aimé. En 2019, on a kiffé et c'est passé. 5 ans plus tard, je n'ai pas dit plus précisément, plus de 5 ans plus tard, parce que je pense que le buzz a commencé, en fin septembre 2024. Boum! Grâce à un réseau social qui fait très fort actuellement, TikTok. La capella, la petite vidéo, la petite reprise de l'artiste de Bordeaux devient une traîne très 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 viral sur les réseaux sociaux, plus précisément sur TikTok. Toutes les nationalités s'en mêlent, tous les pays s'en mêlent, le Nigeria, le Ghana, l'Angola, le Rwanda, l'Afrique du Sud, même au-delà des frontières africaines, l'Europe, l'Asie, l'Amérique. Bref, la reprise de Bordeaux a envoyé une très grosse lumière sur ce morceau-là de l'artiste Prince Aimé, Viviane. Et lui-même, il n'était même pas au courant de cette histoire. Lui-même ne savait pas que sa petite reprise qu'il avait faite il y a 5 ans de cela était devenue très virale sur les réseaux sociaux. Donc, comment l'histoire a commencé, c'est que ce n'est même pas les Ivoiriens qui commencent le challenge. C'est des personnes d'autres pays, c'est-à-dire le Nigeria, le Ghana et consorts, qui lancent la traîne sur les réseaux sociaux. Parce qu'ils ont apprécié la reprise des Bordeaux. Et boum! La vidéo pull up de ouf sur TikTok. Plus d'1 million de challenges en moins d'une semaine. Je pense que c'est du jamais vu, hein, à ma connaissance. Grâce à qui? Grâce à l'artiste de Bordeaux, les Koufa. Les fans de Bordeaux et certains fans camerounais, ainsi de Bordeaux, a fait le remix de cette musique-là. Pour mettre à jour l'artiste Prince Aimé, qui broyait du noir, qui vivait des moments très difficiles à cause de sa malvoyance, à cause de son handicap. Or, De Bordeaux est un artiste, il ne se laisse pas diriger, malheureusement, par ses fans et par les influences. Mais à force d'insistance, il dit, ok, je ferai cette reprise-là, je ferai ce remix-là, avec l'artiste Prince Aimé et la petite avec qui j'ai fait la vidéo, qui a beaucoup marché sur les réseaux sociaux. Pas extraordinaire, une vague de réactions se devait sur les réseaux sociaux. Comme quoi, ils sont indignés, pourquoi c'est De Bordeaux qui doit faire le remix? Est-ce que quand De Bordeaux va faire le remix là, Prince Aimé va gagner quelque chose dedans? Malheureusement, c'est certains acteurs camerounais qui le font. À l'instar de Marlos le Viber. Sur qui je suis tombé sur une de ses vidéos. Tu reconnaissais qu'ils avaient lâché l'artiste Prince Aimé. Qu'ils n'avaient pas soutenu l'artiste Prince Aimé. Que ce soit la diaspora, comme les acteurs camerounais, comme le peuple camerounais. Mais je dis quoi? Dans la vie, il faut être un peu de bonne foi. C'est vrai, De Bordeaux peut être l'artiste le plus malhonnête de la terre. Mais le simple fait que sa reprise met en lumière la carrière, l'actualité, la vie de l'artiste Prince Aimé, met en lumière un de ses morceaux qui date de 20 ans, il faut d'abord dire merci avant d'aller plus loin dans le débat.
Malo Survivor, toi qui prétends être un artiste accompli, qui a tous les gros contrats au Cameroun, faut écouter ce que je te dis. Parce que le problème avec vous, les Africains, surtout les artistes africains, pas tous, hein, je veux parler de certains artistes africains comme Malo Survivor, vous pensez connaître tout, or vous ne connaissez rien, malheureusement. Moi, personnellement, si j'étais de l'entourage du Prince Aimé, que je sais que j'ai déclaré cette musique au niveau des droits d'auteur, je ne vais même pas me fatiguer. Je vais bien au contraire prier qu'il y ait beaucoup de reprises, beaucoup de remixes. Et puis, je m'en simplement revendiquer mes droits. Et tous ces droits-là me seront reversés. Si ce morceau est déclaré effectivement à mon nom. Si je suis vraiment l'auteur-compositeur de ce morceau-là. Donc, normalement, il ne doit même pas avoir polémique. Normalement, toutes les déclarations que tu es en train de faire là n'ont pas lieu d'être. Mais comme d'après toi, et comme d'après certains de tes supporters, avec toi c'est le cardio, moi je fais cette vidéo-là pour te montrer que tu fais le ridicule. C'est de là où tu l'ouvres pour dire que non, effectivement, on n'a pas soutenu, mais il faut qu'on se réveille. C'est maintenant que tu veux te réveiller. Parce qu'il y a un artiste ivoirien qui est en jeu. Je ne vais pas parler de tout le peuple camerounais, mais il y a beaucoup de Camerounais qui sont complexés vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. À tous les plans. Que ce soit culturel, que ce soit sociétal, que ce soit politique. Il y a trop de Camerounais qui sont complexés. Et c'est malheureux de le dire. Je ne dis pas tous les Camerounais, mais les Camerounais comme Marlon Survivor, parce qu'en entendant parler, il y a beaucoup trop de haine dans ses propos, en fait. C'est comme si les gens, en fait, ils ne voulaient même pas que Debordeaux fasse le remix. Ils ne voulaient même pas que ce soit Debordeaux qui fasse le remix de ce morceau-là. Il va même jusqu'à dire, Debordeaux a fait quoi? Debordeaux va aider, ou bien aide Prince Aimé comment? C'est méchant de le dire. On appelle ça de la mauvaise foi. Mais comme tu ne connais rien à l'industrie musicale, c'est pourquoi vous êtes en train de jacasser autant. Sinon, quand tu connais comment les choses se passent, bien au contraire, tu pries chaque jour qu'il y ait au moins 10 millions de remixes sur ton morceau. Cela va te faire gagner beaucoup de royalties. Cela va te faire gagner beaucoup de droits et beaucoup, beaucoup d'argent. Il n'y a même pas besoin d'autoriser. Parce que dès lors que tu autorises, c'est que tu donnes ton accord pour que un artiste lambda utilise ton œuvre. Libre à lui de vouloir te déclarer quelque chose ou pas. Parce qu'il t'a demandé la permission, j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Tu peux faire quelque chose dessus. Mais un artiste prend ton œuvre sans ton autorisation, il faut dire Dieu merci. En tout cas, si tu as protégé ton œuvre là, dis Dieu merci parce que tu vas avoir beaucoup d'argent. Tout ce qu'il va faire là, si tu es vraiment bien structuré, si tu es vraiment très bien organisé, même si tu n'es pas organisé, que tu as au moins déclaré cette œuvre là, il y a des personnes adéquates qui vont venir te collecter tous ces droits là pour qu'ils te reviennent. Donc, Malo Survivor, arrête d'exposer ta haine. Je ne comprends pas. Tes déclarations, je ne comprends pas tes publications, je ne comprends même pas tes propos. Parce que pour moi, c'est irréfléchi. C'est vraiment irréfléchi. Si tu es un artiste tant qui pense qu'il est temps accompli, qui connaît trop les rouages de la musique, tu t'es même pas obligé de faire toutes ces déclarations-là. Bien au contraire, c'est parce que quelque part, tu as envie de te faire voir. Puisque tu n'es plus à la lumière, puisque tu es aux oubliettes, puisque tu n'es plus d'actualité, tu te sers simplement de ta haine pour venir boycotter, sans même peut-être faire exprès, ton frère Prince Aimé, qui est malvoyant d'ailleurs. C'est ça qui me fait mal en fait. On parle de l'œuvre des malvoyants, qui n'était même plus d'actualité. Et qui, grâce à Dieu, qui a de la lumière désormais à cause d'un artiste ivoirien du nom de Debordeaux Likoufa. Moi, j'ai dit, même si Debordeaux, effectivement, avait dit que non, moi, je vais utiliser l'œuvre, mais je ne vais rien déclarer à un truc, comment il s'appelle, après s'aimer. Il a dit, il faut partir, il n'y a pas de problème. Je sais que j'ai protégé mon œuvre. Debordeaux n'allait pas comprendre que dans toutes ses prestations, partout où son remix sera joué, j'aurai des droits sur lui. Il va rien comprendre. Parce que je vais juste saisir les autorités compétentes pour ce problème-là. Et puis je vais gagner mon procès, je vais gagner mes droits sans discuter. Mais comme tu as un problème personnel avec les Ivoiriens, comme tu as un problème personnel avec les artistes de Côte d'Ivoire, c'est pourquoi tu as sorti toutes ces déclarations-là. Toi, apparemment, en t'entendant parler, tu te fais tout seul. Or, quand tu as un peu réfléchi, tu dois savoir que nul se fait tout seul. Tu passes forcément par quelqu'un. Maintenant, le problème se situe où? Est-ce que tu es passé sur la bonne voie ou la mauvaise voie? Qu'est-ce qui prouve que toi-même, on n'a pas nettoyé ton derrière? Qu'est-ce qui prouve ça? Parce que généralement, ceux qui sont prêts à dire que toi, tu es PD, savent bien comment les choses fonctionnent. Donc, dites à Malox de Viber, s'il a vraiment rien à dire, s'il veut juste profiter de la visibilité de ce buzz-là, ok, qu'il ne se gêne pas, qu'il multiplie les publications et les vidéos et les directs. Cependant, tout ce qu'il a dit là, ou bien tout ce qu'il dit là, n'a pas lieu d'être. C'est un non-lieu. C'est un non-lieu. Le bien protégé? Oui. Le bien protégé? Oui. Donc, il n'y a pas de problème. Qu'il fasse les remixes. Il faut juste trouver des personnes qui vont aller vers Prince Aimé pour dire que bon, depuis ce buzz-là, on a vu qu'il y a eu 10 reprises de trucs de Viviane avec tel artiste, tel artiste, tel artiste, tel artiste. Nous sommes capables
de recouvrer les droits avec ces différents remixes-là. C'est fini. Sans même informer l'artiste. Vous entamez la procédure. Quand la maison d'édition réaliseront effectivement que cette œuvre-là, cette musique-là a été déjà protégée. C'est logiquement qu'ils vont reverser les droits après s'aimer. Là, ça n'a besoin de faire tout ce tapage-là pour ça. Ou bien malheureusement, il y a un problème personnel avec la Côte d'Ivoire, précisément avec les artistes ivoiriens. Parce qu'il y a trop de complexes dans ses propos. Il y a trop de frustration, en fait. Donc, il faut qu'un Ivoirien essaie de mettre en lumière un fait que vous avez abandonné, que vous avez oublié, que vous avez négligé, qui broyait du noir. Pour que cet élan de solidarité camerounais là se mette en place, il faut réfléchir un peu. Arrêtez d'être méchant gratuitement. Parce que vous ne pouvez écouter pas des Bordeaux du Koufa. Parce que la preuve en est que c'est un artiste qui ne chante pas comme ça, mais il tourne, il fait ses spectacles et il vit bien. Par contre, Prince Aimé, c'est un peu difficile. Et si grâce à lui, il y a de l'animation sur Prince Aimé, il faut d'abord lui dire merci. Il ne faut pas être méchant. Le problème, je pense que ce problème est au-delà des Bordeaux. Je pense que ce problème est au-delà des Viviane. Malheur Survivor est complexé parce que je pense pour ma part qu'il n'y a même pas un ou deux mois, des Bordeaux étaient au Cameroun. Ils ont fait même un direct ensemble. Vous voyez l'hypocrisie de l'homme noir. Vous voyez l'hypocrisie de l'Africain. Quelqu'un qui est censé être ton ami. Ou même quelqu'un que tu connais quand même. Avec qui tu as quand même échangé une fois. Et regarde comment tu te réagis avec lui. Je dis et je répète, même si des Bordeaux avait bel et bien dit au téléphone ou par courriel ou bien par message que moi je veux exploiter l'œuvre parce qu'il y a mis de la lumière sur la tige, je ne lui donne pas 5 francs. Même si vous dites que ok, parce que si vous maîtrisez les rouages, la musique, l'industrie musicale, vous allez gagner vos droits sans difficulté, sans problème, parce que l'œuvre est protégée et l'ayant droit, c'est Prince Aimé. Il n'y a pas de bruit. Mais comme toi, Malox de Viber, tu es un artiste à polémique, tu penses que tu es un artiste qui a la grande gueule, qui peut parler mal comme il veut, qui peut dire ce qu'il pense, sauf qu'on te dit ce qu'on pense aussi. Et tu sais au fond de toi que ce que je t'ai dit là c'est la vérité. Beaucoup de Camerounais savent que ce que je t'ai dit là c'est la vérité. Parce que si tu penses être aguerri de ce monde de l'industrie musicale là, il n'y avait même pas besoin de faire des vidéos, même pas de posts. Dans le silence, tu bloques les droits. Et ce qui doit revenir après s'aimer, lui reviendra. C'est tout. Voilà. J'espère que tu as apprécié la vidéo. Et puis j'espère que tu vas comprendre. Sinon c'est facile là. C'est un coup que j'ai venu te faire. Un coup éducatif. Un coup de management. Et puis un coup du showbiz, vous savez comment les choses fonctionnent. Voilà, c'est parce qu'on n'a pas la chance d'exprimer ce qu'on sait. C'est tout. Comment Lox de Viper, avec ton nom de médicament là. Bref, maximum de partage et j'attends vos avis en commentaire. Ceux qui sont d'accord avec moi, ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, j'ai besoin de vous voir en commentaire. On va débattre. Ciao, ciao.